Et salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour Rogue Legacy, le premier jeu parce qu'il y a le 2 qui est juste un petit moment et que je suis désolé d'avoir pas fait de vidéo dernièrement, je devais m'occuper d'un petit trophée, un petit platine et c'est bon, cette fois-ci on est reparti. Voilà, oui je suis sûr, oui je veux supprimer. Donc voilà, j'ai des devoirs envers ma famille. Mais je ne suis fidèle qu'à moi-même. Donc voilà, si vous connaissez le principe du jeu, c'est un roguelike comme les autres. Donc en gros, ça va être du hasard. Bon, là c'est l'intro, je vais la zapper. Hop. Hop. Et on joue le premier membre. D'ailleurs, lui aussi, je l'ai platiné celui-là. Et tu peux vous dire qu'il n'était pas facile, surtout à cause de quelques trophées. Notamment par rapport à des boss que je dois réaffronter qui étaient ultra chiants sur tous les trois premiers, mais les deux derniers ça va, ça s'est bien passé. Allez hop. Voilà, Rogue Legacy, préparez votre héritage. Alors ce jeu il est sorti il y a un petit moment déjà, en 2014 même je vois. Développé par Taylor Door Games. Et je vais peut-être attendre que le 2 soit sorti sur console. Pour l'instant il n'est que sur PC et il a l'air d'être bien meilleur que son très grand frère. Alors, on commence par un chevalier, évidemment. Donc là, le but du jeu, c'est de tuer les 4 boss pour arriver jusqu'au boss de fin. Bon, là, il est possible de battre le premier boss avec justement le premier personnage, mais c'est ultra chaud. Hein. Ah, il faudrait que je vous montre la technique d'ailleurs pour le trophée Thanatophobie. Qui est d'ailleurs, je veux dire, peur de la mort. Ouf. Ça c'est dégueulasse par contre. Ça c'est encore plus dégueulasse. Et ça c'est 2. Mon but à moi c'est de ramasser beaucoup d'or. Pour pouvoir beaucoup améliorer, mais là j'ai vraiment mal commencé. Ok, non, ça c'est mort. Bon, des fois les objets lâchent les objets, mais c'est assez rare, ou pas. Ouf. J'avais super du mana, mais jusqu'à ce que là j'en avais pas besoin. Mana qui était au max. Non, là c'est des mini boss, mais là vu ma vie, je vais me faire dérouiller. Alors, ça va, c'est facile. Ah, je me casse. Ça aussi, c'est un mini boss, mais il y aura tout secours. Hop, ça dégage. Je suis à 290, c'est pas mal, mais je peux faire mieux. Ah. Ah. Tu mourras pas. Herbe. Herbe. Ouais, dégage. Ah. Le poulet, s'il vous plaît. Ah putain, t'as un cul-de-sac en plus. Ah. Ouais, d'ailleurs, le premier boss, j'ai dit, il est possible de le battre avec ce personnage-là. D'ailleurs, j'ai réussi. Oula! D'ailleurs, j'avais réussi à le faire. Mais après, j'ai plus jamais réussi à refaire cet exploit. Je me casse. Bon, tant pis. Bon, alors. Oh putain. Lâchez du poulet, bande de rapaces. Bande de rapaces. Le jukebox. Ça sert à rien pour changer la musique. Et ça, c'est la musique d'un boss. Ok, nickel. Eh,
Allez, lâchez du poulet, bande de radins. Je suis tombé que sur des potions de mana. Là, là il faut quoi. Ah, je cours. J'ai paniqué. Merde. De quoi? Il était pas mort. Merde. Super, ça commence bien. Alors, écuyer non. Ah oh, putain, j'ai pas eu de chance sur le coup. Daltonisme. Super. Par contre, je vais mettre mon ventilo parce que là, je crève de chaud. Pas trop fort, histoire que vous l'entendez pas. Bon, voilà, là, je peux me protéger, mais bon, ça, c'est une technique que j'ai jamais utilisée. Ah bah, je commence vraiment à la merde, là. J'ai que 60, je peux même pas m'améliorer en attaque. Et amélioration des barbares. Putain, c'était 160. Ah, je suis dégueu. En plus, c'est les mages sont les plus faibles. Ah. Blablabla. Putain, vous me tuez, bande de tarés. Bon, l'architecte, il me serait utile pour aller directement au boss. Et Caron, ce connard, qui m'a pris toutes mes pièces. Heureusement qu'après je pourrais lui donner que la moitié. Bâtard. Ça, quand t'as un de points de vie, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça contre le boss? What the fuck, qu'est-ce que ça fait là ça? Ouais, t'as rien drôle, bravo. Bah nickel. J'avais le bon truc. Ok, j'ai assez pour améliorer en attaque. Non, 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 c'est y a peu de chances que j'y arrive. Ah, enfin! Ce connard m'en annonce. Dès qu'il y a... Ah, parfait! Alors, placeon du chevalier. Je crois que c'est le meilleur pour justement le monter. J'ai l'architecte. Bon, je vais pas y aller avec le mage. Ok, c'est mort! Alors déconnez, filez-moi plus. Bon.
J'ai plus de mana. Ah bah nickel. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Kavash? C'est les plus faiblards, hein. Alors, ah, le barbare. Alors. J'ai pas assez. Oh ta mère, c'est cher. Bon, je vais voir si je peux m'améliorer un truc. Allez, vas-y. J'ai plus rien, génial. Bon, allez, on va aller voir le boss. Oui, le levier, vas-y. Toi, j'ai plus rien, laisse-moi passer. Du coup, bon, vu que j'ai utilisé l'architecte, je suis divisé par deux. Ah oui, et le trophée, c'est finir le jeu avec moins de 15 morts et sans utiliser l'architecte. Donc déjà, je peux vous dire que c'est chaud. Le premier boss, il est impossible, c'est assez simple. Garde le gardien. Hop. Les barbares, c'est pas les plus forts, mais c'est ceux qui ont le plus de points de vie. C'est, ils sont parfaits pour les boss. Tant qu'il fait pas de la spirale, ça va, je suis peinard. Merde. Ah merde, la diffusion s'est arrêtée. Alors, plein combat de boss en plus. Et c'est bon, il est mort. Voilà, prends ta gueule. Hop, je récupère plein de choses. Même si c'est divisé. Yes, dégâts augmentés, PM augmenté, armure augmentée. Donc là j'étais top 25, donc voilà, ça fait, il y en a déjà un qui est mort. J'étais niveau 7. Je peux tenter de récupérer le coffre. Hop là. La merde, bon, tant pis. Ah, mais j'y pense. Hop là, voilà. Moi, ça c'est pour one shot les zombies. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tenter. Non, j'ai pas assez de vie pour ça. Ok, bon. Faut vite que j'enregistre. Ok, c'est bon. Oula, merde. Eh putain, j'y étais. En plus, il m'avait fait chier.
Eh merde. Bon bah tant pis. Bon, ça fait déjà un boss de moins. Non mais je vois pas ma vie, c'est ça le problème. Bon, on va prendre ça. Là j'ai failli oublier. Prendre ça. Ah le ninja. C'est le plus puissant mais c'est aussi le plus faible en arme de vie. Bon bah merde. Excusez-moi. J'ai toujours pas assez pour les runes, fais chier. Ça, ça peut m'être utile. Hein. Bon, je vais pas me servir d'alchimiste, d'architecte cette fois. On va y aller à la normale. Hop là, les ninjas ils sont très pratiques que pour farmer les pièces. Pardon. Sans déconner. Hop là. Tac. Non, viens là. Cette fois, je t'ai eu. Oserais-je. Allez, aussi. Voilà. Oh ça va, ils sont simples. Ouais, enfin, je dis ça, je me prends un coup. Ta mère, dégage, allez hop. Homme de sang. Ah non, c'est nul. Là pour le coup, j'ai pas eu de chance. Bah oui, les roguelikes, c'est surtout de la RNG, oula. Et j'ai besoin de fric pour m'améliorer, acheter des trucs. Ah putain, il y a un coffre. Allez, on tente le coup. La merde. Ah, rien de cul. Dégagez. Voilà. Bon, je suis pris pas mal de dégâts quand même, mais j'ai eu le coffre. Pardon. Ok, là je suis un peu dans la mouise. Ah bah je suis revenu, c'est le petit boss. Brasser du chevalier. Ah putain. Alors, si j'ai le ninja... Oui j'ai le ninja, on va pouvoir farmer et essayer d'aller plus loin. Bon alors par contre... Ah la pétasse. Ouais voilà. Même si avec le vampirisme c'est cool, c'est... Bon voilà. Attends, j'ai le double saut et j'ai le dash. Et il fait 62 de dégâts, donc je vous laisse imaginer le carnage qu'il va faire. Super rapide, j'avais oublié. Hop. Hop, putain.
sérieux? Bon là ça va être simple. Je dis ça mais il y a un méga ennemi. Ok, j'ai réussi. Oh, une de vampire. Ah, ça, ça peut mettre du réplique. Du vampirisme, ça, c'est cool. Voilà, par contre, je suis un peu dans la mouise. Merci pour la thune, merci pour la thune. Pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Bingo. Non merci. Ah ok, bon il est là ce coup-ci. Le méga tableau. Ok, là il y a personne. Ok, ça va m'emmener aléatoirement, mais je vais pas le faire. Parce que je sais pas où il peut m'emmener. Il peut m'emmener dans les deux zones, deux dernières zones, et j'ai pas envie d'aller dans ces deux-là. Ah, la fontaine. Ta mère, je suis vraiment trop con, moi. Oh, moi là, non, là je suis là, c'est qui one shot tout le monde, surtout ceux du début. Bon, ok, bah, je me casse, il m'a obligé, c'est bon. Non, 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 non. Ah! Ok, j'ai 1200 pièces. Non, heureusement que j'ai eu que. Heureusement qu'il y a une technique pour me faciliter la tâche, sinon je serais mort. Sinon j'aurais jamais réussi à avoir le trophée d'un tout premier. What the hell? Dégage. Là il me faudrait dragon. Ok, là je pense que là c'est les dernières zones, ouais. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de la téléportation aléatoire. Allez, allez, dans la forêt. Yes, j'ai eu de la chance. Mais quel fils de pute qui voulait pas s'avancer. Alors, non, pas le mage. Il n'y a aucun trait, tant mieux. Faudrait que je pense à enregistrer au cas où, parce que j'ai peur. Alors, est-ce que j'ai assez pour améliorer un truc? Les chances des dégâts critiques. Ok.